Eh bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui l'équipe pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nos récompenses Foot Champion ainsi que Division Rivals, sachant qu'il y a une nouvelle Team of the Week qui est franchement intéressante. Merci les matchs internationaux, hein. On a du Mané, on a du Kanté, du Sommer, Insigne, Mahrez, Goretzka, Vidal, Hakimi, Texera. Voilà les principaux joueurs intéressants. Ça en fait, hein, ça en fait, ça fait à peu près 8-9 joueurs intéressants. On sait jamais, hein, pourquoi pas, dans les cartes rouges, on va le faire. Ce week-end, j'ai fait un futur champion tranquillou, hein, je suis arrêté hors 3, voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin. Parce que pour le moment, je prends pas de plaisir sur le jeu, je rage. Donc j'ai pas envie de rager, donc tranquillou, je me fixe pas d'objectif. Dès que j'arrive hors 3, je m'arrête. Pour le moment, ça va. On verra avec le temps, mais j'ai pas du tout envie. Hein. En rival, je joue bien. J'ai quasi 2000 points. Enfin, je les ai, je crois, les 2000 points en rival. Donc ça va, mais en fut champion, c'est injouable. En plus, j'ai une connexion catastrophique. Hein. Je lance un match, j'ai 40, 50 MS. Donc j'ai pas la fibre encore. C'est une catastrophe, les gars. Mais c'est pas grave. On va quand même chercher nos récompenses fut champion ou division rivals en premier. Et bon, on va chercher division rivals. Allez, normalement, on est rang 2 dans la division 1. Division 1, voilà. On a l'option 2 pack méga. On va prendre l'option 4, hein, invendable. Fait toujours un peu de joueurs en plus, pourquoi pas. C'est intéressant, voilà. Et. Faut quoi que non, j'avais pas de points, j'ai combien j'ai 1962, ouais, parce que le dernier match j'avais perdu. J'avais perdu face à un 2100, je crois. Un truc de fou, j'ai perdu 1-0 et j'ai perdu beaucoup de points. Bref, maintenant, récompense de champion. Hors 3, comme je vous ai dit, alors hors 3, hors 2, hors 1, c'est exactement la même chose, hein. Tu fasses or, c'est identique. Après, dès que t'arrives à Titi Elite, c'est pas pareil. Mais là, or, c'est pareil. On a des packs à 50 000 crédits. On a deux joueurs rouges. On a un pack, deux packs méga. Voilà. Classique, classique. Mais ça peut payer. Ça peut payer. Allez. Écoutez, je me suis refait une nouvelle équipe là cette semaine. Vraiment, j'ai changé toute mon équipe. Il y a quelque chose près. J'ai vraiment fait ce que je voulais à 100%. Donc on verra ce que ça va donner ce week-end en Foot Champion. Mais là en rouge, bah écoutez, parmi les joueurs que je vous ai cités au début, hein, de Mané jusqu'à aller Hakimi, voire même Texera, on prend. Donc ça fait quand même 6 gros joueurs et 9 en total intéressants. Allez, on commence, les amis, par le premier joueur rouge de cette Team of the Week. Let's go. Allez, un petit Kanté, là. Ouais, Vidal. Vidal, c'est bien. Vidal, c'est très bien. Bon, écoutez, j'aime beaucoup Vidal. J'ai joué un peu avec lui au début de saison. C'est souvent un joueur qui rentrait, des fois, hein, sur mon foot champion. Écoutez, Vidal, je prends. Vidal, je prends. C'est le moins bon, entre guillemets, des top players. Mais c'est pas si mauvais que ça, on va dire. Il a une belle carte, quand même. Hein. Manque un petit peu de vitesse. Mais sinon, excuse-moi, mais... elle est très très forte sa carte, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Vidal, ça me fait plaisir, on enchaîne sur le second. Allez, un Mané, un Kanté. Ouais, bon, on va prendre lui. Hein. Koufal, j'aime pas. Je connais pas. Dumfries, d'ailleurs, je connais. Allez. Allez, bon, ça va. Vidal, Dumfries, il y a pire, mais il y a mieux. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Allez, on va ouvrir nos récompenses. On va voir si ça va nous régaler ou pas. On a quand même beaucoup de packs. Beaucoup de packs méga rares, des packs méga, un pack à 50k. On sait pas. On sait pas. Allez, on commence par les packs méga rares. On va commencer par ceci, je pense. C'est parti, premier des 4 packs. Oh, animation d'entrée de jeu. Oh, c'est du boost, ça. Ah non, c'est du... c'est du quoi? C'est quoi, cette carte? Oh, retour final. J'avais complètement oublié. Ah bah Koulibaly, les gars, c'est bon, hein. Ah, Koulibaly, c'est pas mal, hein. Bon, après, c'est pas vendable. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas vendable. C'est à peu près 280 000 crédits, mais je m'attendais même pas à un road to final de l'Europa League. Je vous jure, j'ai été surpris, j'avais complètement oublié qu'ils étaient encore dans les packs. Et Koulibaly, c'est très bien. Alors, c'est invendable, c'est pas grave, hein, au contraire, hein, s'il évolue avec Naples, tant mieux. Il est une belle carte, Koulibaly, hein. Il est vraiment une très très belle carte. Manque un petit peu d'agilité, on va dire que ce soit un vrai top défenseur. Mais Koulibaly, 89. Je suis surpris et agréablement surpris. Donc on prend, on prend. Ça fait plaisir, c'est ma première carte road to final. Même si c'est invendable, c'est pas grave. C'est Koulibaly et c'est très cool, 89 de gêne.
Bon, le pack de prêt, hop, voilà. Mais non, je m'attendais pas du tout, les gars, je vous jure, j'avais même plus l'habitude de voir des packs comme ça. Et je viens de voir un peu le classement de Ligue Europa, pour m'intéresser à Naples, du coup. Bah écoutez, ils sont, on va dire, premiers ex aequo avec les trois, hein, Naples, Akma, Real, ça, ils ont 6 points pour le moment. Mais bon, normalement, Naples devrait passer au moins les poules, hein, donc on aurait, devrait avoir au moins une évolution. Deux Koulibaly, mais c'est pas mal, je suis vraiment très content, je ne m'y attendais, les amis, pas du tout. On va vite faire ouvrir le pack de prêt, mais c'est vrai que je m'y attendais pas du tout à un roto final, pour être franc avec vous. J'étais focus que sur les boosts, même les cartes bleues, les champions, j'avais complètement zappé. Mais c'est pas grave, on prend, c'est très bien, ça fait plaisir, mon premier roto final. Les amis, sur ce FIFA 21, allez, le second pack méga rare, pas d'animation. Pas de boost, rien d'intéressant, si ce n'est une animation. Jiménez, ok, pas mal, ça c'est intéressant pour les SBC, 84. Donc c'est des packs invendables, hein, donc soit tu tapes un gros player que tu vas jouer avec toute la saison, soit alors c'est des joueurs comme ça, hein, pour les SBC, et c'est exactement ce que je voulais, donc c'est cool, on récupère des 84, des 83, nickel, Milner et Dez, que j'ai dû avoir au moins 600 millions de fois, en invendable, mais le Koulibaly, je vous jure, même là, je m'attendais toujours pas, quoi. Impressionnant. Allez, on enchaîne maintenant, les amis, sur le troisième des quatre packs méga rares. Pas d'animation, pas de bleu, pas de boost. Nouveau bout, Belge, défenseur, Vertonghen. Ah oui, hein, maintenant, quand tu sais qu'il est parti à Benfica, c'est plus facile de dire c'est qui déjà, Vertonghen ou Alderweireld. Bah là, maintenant, tu sais. Maintenant, tu sais. Higuain, ok, donc au moins 2,83 dans le pack. C'est pas si mauvais que ça, hein, pour être franc avec vous. Dommage qu'il soit déjà invendable. Le mien, mais... Oh, ils sont tous invendables, ceux que j'ai déjà, là? C'est une blague? Ouais, c'est une blague. Tous ceux que j'avais, ils étaient déjà invendables. Wesh. Oh, abusé. Abusé. Et on termine sur le dernier des 4 packs qui sont, bien sûr, bah, comme je vous ai dit, invendables. Allez, pas d'anime, ok. Oh, petit... Ah non, ça, c'est du black, ça, je parie. Ah oui, j'étais sûr. Ah, j'étais sûr. Ah là là, ces cartes, elles nous font chier. Opazo. Rakitic. Oh lolo, oh lolo, oh Castro, il joue là-bas maintenant. C'est celui-là que je connais. Hein. Ouais, Gonzalo Castro, c'est ça. C'est bien le bon. Bon, Boateng, je crois que j'avais déjà eu 56 fois en invendable. Ça, c'est pas très grave, c'est un petit détail. Mais bon. Allez, maintenant, les amis, ce sont des packs vendables. Et les packs médias peuvent nous régaler, tout comme le pack à 50 000 crédits. On y croit encore, on peut avoir encore du lourd. Je l'espère, premier des deux packs. Pas d'animation dans le pack méga. On va aller au bout quand même. Oui, allemand. MOC, mais zut. Chelsea. Oh, Kaya Vert. Ça, c'est pas mal, ça. C'est un grand même mieux. Hein. Non, Özil, c'est 82, donc déjà, c'était pas possible. Et Kaya Vert, on prend 85 de gêne. Ça coûte pas très cher, Kaya Vert. Hein. Je pense que son prix a dû... Quand même, hein, ils sont 20 000, c'est pas si mauvais que ça, on va le vendre, parce qu'on va pas l'utiliser, on garde tout, et en doublon, ouais, bah rien de bien intéressant, écoutez, mais un petit caillat vert, 20 000 crédits, c'est toujours ça de prix. Allez, on termine sur le dernier pack méga, avant de clôturer cette vidéo sur le pack à 50 000, oh, animation dans le pack méga, ça c'est bon, c'est très bon, oh, oh les Espagnols. En ce moment, je vous jure, en ce moment, ça fait une semaine et demie, à chaque fois que je pack un truc, il y a toujours un Espagnol qui fout sa merde. Bon, après, derrière, on prend, hein, même si ça coûte 10-15 000. Ouais, un petit peu plus de crédit, ok, Romagnoli. Ouais, ça, c'est quand même des bons packs, on a eu des bonnes récompenses, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, les récompenses sont cool, mais bon, quand on voit animation, on pense pas à Espagnol, hein. On pense à Français, à Brésilien, même au Gabon, enfin tu vois, des trucs comme ça, quoi. Qui ralasse, mais bon. Allez, le dernier, le pack à 50 000, ça sera le 7e et dernier pack. Oh, pas d'anime. Ah oui, oh oui, oh bah oui. Alors, pas d'anime et René, hein. Le petit Bowman. Ouais, ouais, c'est un pack à 50 000 quand même, hein. Et je récupère comment les crédits là-dedans, là? Qui c'est qui coûte au moins 1500? Il y en a pas. Il y en a pas, et tout cela, ils vendent même pas. On va pas se prendre la tête. Vente rapide. Bon, en tout cas, je suis content de mes récompenses. Hein. Franchement, on était bien. Vidal en rouge, c'est pas mal. C'est, on va dire, la première vraie carte rouge que j'ai depuis le début du jeu, et encore.
Du point de vue pack animation, on a régal. On a régal quand même. Hein. On a eu deux grosses animes, Derea et Koulibaly en route pour la finale. J'espère en tout cas, les amis, cette vidéo vous avez kiffé un max. Laissez un maximum de pouces bleus. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye. We'll be right back.